Ça me presque pas qu'à rater. Je remercie qui m'a donné cette opportunité. C'est pour nous parler avec le maximum de monde sur les réseaux sociaux. Et je dis tout le monde merci. Expo Science 2023. Donc, je suis toujours là, chaque année. Et là, je suis venu pour nos traditions. Parce que je me dis toujours, le futur pays, c'est Timoun. Et Timoun a plusieurs talents. Il y a un talent sportif, un talent artistique, un talent écrivain, il y a plusieurs talents, mais surtout un talent Timoun qui est génie, qui est fort en pile. Qui a inventé des bagailles que peut-être l'autre bon, blanc, génie pour qu'on joigne, mais qui fonctionnait avec le besoin que nous avons en Haïti. Donc, il faut que tout le monde soit encadré tout parce que nous avons surtout fait une partie très importante dans la société que nous voulons créer dans le futur. Donc, Expo 23, je suis toujours là parce que je suis depuis que commencé. Chaque année, je suis toujours make sure que je passe année ça encore moins là pour me supporter tout le monde, pour me supporter ce qu'on fait là parce que nous connaissons. Le contexte est très difficile en Haïti. Regardez, tu as supposé gagner d'après moi 400-500 timons. Même si tu as regardé classe team monsieur seulement, classe team monsieur et dame seulement, tu as supposé plein l'armée avec insécurité, j'en fais hier. Mais il était presque nécessaire pour me dire là aujourd'hui pour nous démarquer. Premier, ça me regarde d'ailleurs, que je parle avec ces monsieur, c'est en l'école Frère au Cap, qui sont Jouk au Cap. Donc, c'est déjà pour montrer la décentralisation, pour montrer le côté intelligent, il y a tout partout dans le pays. Donc, ils sont ici, ils viennent présenter un projet, mais ils disent, ouais, c'est pour aider des idées et produits et locaux, n'importe quel produit, ils doivent fruits, ils doivent viande. Donc, ça, ils sont ouais, avec problème courant, pas de frigidaire, pas de ici. Donc, tout le bagage ça va aider les Haïtiens, si vous avez et dehors, comment pour nous conserver les bagages plus longtemps et peut-être exporter au plus facile vers l'étranger. Donc, tout ça, c'est des bagages qui vont aider non seulement la communauté PIA, mais les familles haïtiennes. Même beaucoup de l'autre, je vais regarder une après l'autre. Moi-même, c'est surtout en tant que Kakoskid, je viens là. Nous connaissons Kakoskid, c'est la fondation que je crée, qui travaille depuis 2008. Qui travaille avec Timoun dans sport et éducation. Donc, Kakoskid est très intéressé par Expo Science. Donc, c'est toujours pour ça nous là. Non seulement nous dans sport, mais éducation. Et je me dis toujours, éducation, il n'est pas seulement fait sur l'école, il est fait dans le terrain de football, il est fait dans l'entraînement, il est fait dans une réunion jeune. Donc, Timoun doit joindre des possibilités pour meubler tête, pour instruire tête, dans Internet, dans YouTube, il n'est pas obligé sur l'école.